Et bonjour à tous, ici Morgan von Brennan, et on se retrouve sur The House of the Dying Sun. On va essayer la mission qu'on a échouée la dernière fois. Qui était d'assassiner le quartier maître. Alors, viens voir. C'est ce machin-là. Ok. Il faut aller buter ce connard. Ok donc. Destroyer, couvrez-moi. Toi, attaque la cible. T'as hors de portée. Tomber son bouclier, défoncez-le! À toutes les unités! Défoncez-lui à la gueule! Ok, on l'a eu. Ce sont les objectifs secondaires. Wow, 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 une défense. Destroyer Sigma 2 était détruit. Ah. C'est pour ça, c'est objectif. Attends, déjà, vous, couvrez-moi. Couvrez-moi. Il est où mon objectif secondaire? Ah, c'est lui? Non? C'est lui? Non? Ça! Je comprends pas. Il est où le deuxième truc que je suis censé détruire? Bon, je ne sais pas, il y a le flagship qui va arriver, me défoncer la gueule, donc tant pis. Putain, on m'appelle, mais c'est qui le connard qui m'appelle? Merde, c'est ma mère. Ah, bon, on va s'enfuir et faire Nébus. Wouh! Ellipse, donc. Juste après avoir vu le reste de la mission. Ouais, bah j'ai pas fait l'objectif secondaire, bah... Je l'ai pas trouvé, l'autre vaisseau, je sais pas ce qu'il est devenu. C'est peut-être enfui. Bon. Ouais... Ellipse. Re, tout va bien? Elle voulait juste s'assurer que j'avais eu ma troisième dose. Et la réponse est non, j'ai oublié. Nonobstant, mission suivante. Meurtre. Oh... Sommet du... Exécuter le médecin. Voilà, si jamais il y en a parmi vous qui sont pas super bons en anglais, vous saurez, physician, c'est médecin, c'est pas physicien. Physicien, en anglais, c'est dit physiciste. Il faut que j'exécute le physicien, que je bute ses escortes. Son escorte. C'est faisable.
Ah oui, j'ai fait oublier. Couvrez-moi. Attaque ma cible. J'ai même pas de bouclier, c'est minable. Oula. Mon drone. Oh putain! Blé! Ah d'accord. Je sais vaguement voir si je peux pas essayer de viser leur toile. Ça fait une frégate de détruite. Est-ce que je vais réussir à détruire ces moteurs, peut-être? Oui, c'est mon allié, ça. Ah, je vois. Ça aussi, c'est mon allié? Ouais, c'est mes alliés, ça. Que je tabasse depuis tout à l'heure. Oula! Il y a des connards derrière nous. Ouais, les escrocs. Ouais, bon, ok, on va recommencer. On va recommencer parce que j'ai bien tabassé mes propres. Mes propres destroyers, je suis complètement con. Tout va bien. Couvrez-moi. Attends, le possible, c'est ce connard? Non, ou c'est ce connard, c'est mon allié. Mais mon allié qui se barre! Attaque ce type! Ce que je veux savoir maintenant, c'est où est la cible? C'est qui lui? C'est un allié. Sensor. Je vais te casser la gueule. Tu crois que tu fais quoi, mes potes là? Il leur envoie des ondes de choc. Wow, wow, wow! Tu m'auras pas! Il m'a eu. Mais dans tout ça, où est la cible? Parce que c'est mignon tout ça, mais. Bah, salut mes cibles! Allez hop! Il va s'éjecter. Voilà! Easy as pie. C'est facile comme de la tarte. On s'en va. Et on s'en va avant que le flagship n'ait le temps d'arriver. Allez, salut les minables! Mouah! Bien ça, j'ai pris que 2 dégâts de coque. Ah oui, mais j'ai perdu l'intercepteur quand même.
Nouvelle arme, le long rifle. Bon, pas choix, va falloir stopper cette connasse. La dernière fois, il nous a défoncé, donc on va y aller en facile. Alors. Oh là 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 là, énormément de dégâts de coque, aucun dégât de bouclier et une portée de bâtard. Et il y a ça. Les puces, je crois que c'est avec ça qu'il m'attaquait, l'autre connard, celui qui m'a buté. Ça fait des dégâts de bâtard. Ah, et ça a de la portée, oui! Donnez-moi de la portée! Donc on a désormais des armes extrêmement spécialisées. Hein. Le sniper qui fait pratiquement aucun dégât au bouclier. Les impulsions électromagnétiques qui font aucun dégât au coq. L'omniflac. Point defense. Et ils ont vraiment pas de portée en fait, c'est ça le problème des. Des destroyers, ils ont pas de portée. Parlons-y, en facile. En facile parce que j'ai peur. J'ai très peur. Ok, couvrez-moi, couvrez-moi. Ce jeu, en fait, il me rappelle un truc. Il me rappelle les. Bon, en fait, le seul autre jeu où j'ai fait des combats spéciaux comme ça, c'était Star Wars 3, La Revanche des Sith sur Nintendo DS. Wow. Mais j'ai. Mais quoi? Comment dire? Comment je sais faire? Parce qu'il défonce! J'ai rien pu faire! Je l'ai eu? Non, j'ai pas eu. À bientôt. Chip, d'accord. Moi, on m'a dit, il y a des conteneurs à détruire. Par contre, le sniper. Alors là, j'ai deux tirs et après pour charger. Hein. Putain, j'ai raté. Voilà. C'est accompli. Maintenant, il faut se dégager des astéroïdes et s'extraire. Allez, hop! On se barre. On a eu la reine mère. En facile. Quand on a la reine mère, c'est vraiment ça qu'il fallait. En fait, c'était le sniper pour pouvoir la défoncer en restant à distance.
Précision 96%, bah, casse 23 sur 24, voilà, j'ai tiré 24 fois, j'ai loupé une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Templier, oh oui, qui me donnerait une frégate. Et ça, une nouvelle arme. Je veux une frégate. Le Templier de Côte transfère des réparations à l'avant-poste Gaul. Un temps limité avant que son transporteur ne soit de nouveau opérationnel. Une zélote a été envoyée pour m'aider à défoncer cet hérétique. D'accord. Donc on va reprendre cette arme là. Et toi, est-ce qu'on leur met l'omniflac pour un peu plus de portée, un peu moins de dégâts de coque? Allez. Par contre, ils ont absolument besoin de l'autocanon, du coup. Châssis kamikaze. Plus 2500 de dégâts de collision, plus 3000 de dégâts par émission. Moi, quand... par pitié, non. Drone de réparation, ça c'est intéressant. Drone de flac. Pour aider la défense. Pour aider la défense contre les petites cibles comme les missiles ou les drones ennemis. Ça c'est intéressant. Je vais la prendre. C'est parti. Alors. Objectif, rusher ce bâtard de Templier. Oh là là. Oula. C'est passé à peu près. Oh, c'est joli. On rush ce bâtard. Qu'il y a eux aussi. Ils ont des boucliers, ils n'ont pas l'impression que c'est des boucliers. Oula, 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 oula. Je les engage. On va la voir. Oh putain, ça a pris une bastos. Engagé. Je le désengage. Wow, 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 wow. Aïe, 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 aïe. Vache. Thank you.
talent, enfin, s'en fout. Attaquez la cible. Excusez-moi cette saloperie. Oh, joli. Et hop, on a le temps, on se bat. Phew. Ça s'est bien passé. J'ai failli mourir deux fois, mais j'ai réussi à me désengager. Je suis satisfait de ma performance. Précision 81%, pas mal. Par contre, vétéran promu, ça je sais toujours pas ce que ça veut dire. Fit amélioré, désormais une frégate. Ouh là 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 là. Beaucoup de nouveaux ennemis. Oh, la bombe purificateur, très bien. Un intercepteur. Ah. Le haut prince Hall. Surveille le transfert de réserve du trésor à l'avant-poste Carador. Il est également en train de tester un prototype d'intercepteur. Ça pourrait être la seule chance qu'on a de le choper. Butez-le et butez machin Vendetta. Du coup, j'hésite. Est-ce que je reprends le sniper? Parce que j'avoue que pouvoir les déglinguer de très loin, c'était confortable. frégate. Oh la vache! Et ça, ou l'omniflaque. Plutôt mettre l'omniflaque, du coup. Vu les dégâts que ton arme principale fait. Et toi aussi, tu as droit à un drone de défense. Vache, les dégâts de la frégate! Allez. C'est quel... Ah ouais, ah, c'est le gros. C'est le gros qui est au-dessus de moi en haut à droite. Je pense. Ok. Sculpto, couvrez-moi. Intercepteur, attaquez les cibles. J'ai détruit ton bouclier. Ah, j'ai détruit son bouclier. Et bah, c'était excessivement facile. C'était terriblement facile. Où est la frégate machin par contre? Parce que t'es censé détruire ça aussi. Objectif secondaire. Bonus, là-bas. Direct. Merde, il est derrière le caillou. Je viens de le rater. Je l'ai raté. Attaquez ce truc, s'il vous plaît.
Bombarde-le! Quoi toi, tu veux quoi? Il veut me tuer. Il y arrive. C'est terrible. On l'a eu! On l'a eu! Maintenant, on se barre! Ah, le flash qui arrive à ce moment-là! Tu arrives trop tard! Allez! Adios! Bullshit, you can't be mine. Qu'est-ce que c'est que ce nom de succès? Précision bof. Du coup, j'ai gagné un intercepteur supplémentaire. Wouh! Massacre à la porte Tannhauser. Alors, détruire les transports. Détruire l'escorte des transports. Ah, les transports, ils sont en train de transformer les familles. D'officiers traîtres, allez, allons buter des civils, ça va être drôle. C'est quand même grand les boucliers de ces vaisseaux. Alors. Ok, je vois. Couvre-moi à toi, attaque ma cible. Vite ton bouclier! On détruit les transports. Ouch, je me suis mis bave, je crois. Alors, je vais vérifier. C'est mon allié, c'est Sentinelle. Ça y est, plus que ça, hein. Hop! Attaquer ma cible. Go! Voilà, comme ça. Flagship détecté. Oh merde! Il va paraître à côté en plus! Ah! Faut qu'on se magne! Et merde, y en a qui s'est échappé!
Ah, ils sont tous barrés! Putain! Le mec qui s'enfuit, quoi! C'est la triche, hein! On ignore les objectifs secondaires, sinon on n'y arrivera pas. Malheureusement. En même temps, les objectifs secondaires, ça rapporte des points, mais les points, ça va me battre les couilles. C'est quelle est cible? Je veux pas le savoir. Il s'enfuit? Touche. Putain, encore! Mais c'est pas vrai! Et comment ils font? Je fonce. Allez, soyez agressif. Comme celui ces transports, hein. Allez, on fonce.
bombarder là, celle-là. Ah oui, ils sont en train de s'enfuir là tous. Et perdu un destroyer, c'est honteux. Pas vrai! Mais comment je sais faire? Je comprends pas. Eux, c'est un piège en fait. Directement sur cela. Pourquoi il va plus vite que moi, lui? Mais sérieusement? Mon connard d'allié s'est mis devant. Je rentre dedans. Mais... Mais quoi? Mais comment? Je comprends pas. Bah attends, je vais me plonger sur les escortes, voilà. L'objectif principal sera un échec, mais l'objectif secondaire sera réussi. Bonus effectué. On se barre. Ouais, bah écoute, j'ai mes objectifs secondaires.
Cette mission me gave. Mission suivante, s'il vous plaît. Oh la vache, mais les frégates, c'est énorme en fait! Wow! Donc il faut que je défende. Machin, objectif secondaire, faire en sorte qu'il lui reste plus de 40% de sa vie. Objectif. Je peux pas leur dire de couvrir ça? Il y a pas un truc couvrir. Couvrez-moi, machin. Enfin, couvrez la cible. Ah, c'est le drone. Qu'est-ce que... Là, je vais me freeze. Celui ce truc. J'essaie de péter ses moteurs. Bon, je crois que je vais le péter lui avant que ça arrive. Si c'est bon, je vais péter ses moteurs. Enfin, on l'a eu. Ça, c'est nos alliés. Ok. Situation. Ça, c'est moi. Je suis loin de tout le monde. Je viens de péter ce transporteur. Ça, c'est la porte. On essaye d'aller là. Il faut que ça, le Vindictus, l'aille sur cette porte Mass Effect-là. En orange, c'est mes potes. En bleu, c'est les connards. Ce qui n'est pas intuitif. Mais c'est comme ça. Et enfin, les amis sont arrivés. C'était tous les destroyers. Il y a un autre connard quelque part. Toi. Voilà. Encore un autre connard. Lui. Il bloque la route.
Oh là là là! Oups. Flagship ennemi arrivé. Ah. Mais notre truc est presque à la porte. Et encore 84% de sa coque. Nickel. On se casse. Alors, venez sur moi, on s'en va. Un jeu qui arrive à rendre les missions d'escorte pas chiantes. C'est rare. Ouais. Alors. Ouf. Ils savent que vous arrivez. Mais ils peuvent rien y faire. Éteignez la lumière du monde trône. Défendez le lance-missile nucléaire. Bonus, assassinez le faux roi. Oh. Assassiner le faux roi, c'est un bonus. Bombe purificatrice. C'est la réponse de l'Empire face au défenseur de Flak qui a, durant la dernière insurrection. Ah. Ah d'accord, donc ça fait énormément de dégâts. Ça résiste aux tirs antimissiles. Mais comme vous constatez, ça a beaucoup moins de portée. Apparemment, ils ne sont pas guidés également. Et du coup, c'est un truc qui peut aussi être utilisé contre les vaisseaux qui n'ont pas de bouclier. Donc je vais l'essayer. Moi et ma flotte. L'enfer à Raltum Prime. La fin du monde. La fin du monde. Pandore. Population 14 milliards. Ah. Defend my target. Ah. Parce que c'est ce marchand-là qu'il faut défendre, d'accord. L'exterminatus. Je pense que c'est aussi avant le... What? Je me suis fait démonter, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le froid, il est là, dans son gros vaisseau. Pour l'instant, on a l'exterminatus qui continue de... Boum boum. Oh la railgun.
langage. Population 8 milliards. Drift! Bombarder ma cible. Attaquer ma cible. Défoncez-le. C'est ma frégate. Ma frégate qui fonce. On n'en a rien à foutre. On l'a eu. Non, on l'a pas eu. On l'a eu. Défendez. Ouais, moi. J'ai fait lui rentrer dedans. Attends, je suis où? Ok, mais j'ai déjà pas mal éloigné, je vais pas faire demi-tour. Drift. J'ai pas l'impression qu'il reste des ennemis, hein. Oh là 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 là. Oh, la violence. Puis on va aller l'intercepter. Je suis un intercepteur, c'est mon boulot. Phew. Eh ben, je pense que ça va très bien se passer. Barre-toi. Et donc c'est tout. Là, faut juste attendre que la population atteigne zéro. Enfin, elle m'est arrivée. Ah, ils sont derrière nous. Au nom de l'empereur, mourez!
C'est bon, la révolte a été purgée. Host mission sequence. Wait, what? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Victorious 1. Qu'est-ce que... Alors que votre corps s'est désintégré, vous sentez le pilote qui se souvient de la dernière transmission du faux roi. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Ah, j'ai les facs sont verrouillés, c'est parce que j'ai pas fait toutes les missions? C'est parce que je les ai pas faites en difficile? Alors pourquoi t'as fait ça? Alors, pour que je puisse m'en poser, ou pour l'Empereur! Succès déverrouillé 2. Ah. L'Empereur a rendu ses nobles immortels. L'Empereur a apporté la prospérité à des trillions de gens. L'Empereur a protégé les arts et les sciences contre les marchands et les soldats. Et sa propre maison l'a trahi. L'Empereur est vengé. La galaxie souffrira un âge de ténèbres. L'Empereur reviendra. Et ses ennemis regretteront le jour où ils l'ont trahi. The House of the Dying Sun. Pour les personnes qui n'avaient pas compris, on joue les méchants. Eh ben c'était The House of the Dying Sun. Codex, les chroniques du Siamak impérial, je peux se dire. Le dragon ne se lève que pour la guerre. Il vit dans une transe de meurtre aussi vieille que l'empereur lui-même. Quand l'empereur est... troubled. Comment dire ? Quand l'empereur est inquiet, le dragon s'éveille. Quand l'empereur est satisfait, le dragon s'endort. Erika de Rydir, Skald impérial. Les Skalds, c'était des espèces de bardes en Scandinavie. Raltum Prime est le monde trône de l'empereur. Depuis les 1000 palais, l'élite impériale contrôle tout le commerce. Qui contrôle Raltum contrôle l'Empire. D'accord, petite référence à Dune. Bon, d'accord, grosse référence à Dune. Le plus loyal ami, le plus dangereux ennemi, mon dragon. Te souviens-tu de l'époque où nous n'étions pas nous-mêmes? Qui se souvient du temps où je n'étais pas empereur? Je me souviens du temps où tu n'étais pas encore mon dragon. Je suis seul. Est-ce qu'il t'arrive de vouloir mourir? Ou est-ce que tu désires, mon dragon, de prier à la place que la guerre ne finisse jamais? Le conditionnement du dragon est parfait. Ses protocoles... parfait, enfin sans défaut. Il faut éveiller. Le dragon exécutera tous les traîtres qu'il trouvera. Il brûlera leur monde jusqu'à leur cœur. L'empereur m'a refusé ce qui avait le plus de valeur à mes yeux. Et j'ai donc vendu son corps à l'ennemi. Mais que fera le dragon maintenant que le monde rebelle et Raltum Prime lui-même? Montrienne, le médecin de cour. Ah, c'était moi le dragon. C'était moi le dragon. Et le dragon. Au commencement, toutes les choses étaient égales. Une chose, il aime, et une force, l'unité. Parce que les choses étaient toutes les mêmes, rien ne voulait quoi que ce soit. Donc, il aime est devenu la matière,
et unité a été divisée en quatre parts. Notre empereur est la culmination de la tendance de l'univers vers l'inégalité. Il est bien et légitime qu'il dirige tout. Premier axiome de la vénération. Ô dragon, tu m'appelais autrefois un esclavagiste. Mais combattrais-tu aussi bien si tu laissais à tes autres une volonté propre? Tu prends possession de mes guerriers et tu les envoles vers la victoire. Je prends possession de mes citoyens et je les guide vers l'avenir. Ah, c'est ça le truc à la fin, host termination. Autodestruction de l'hôte. C'est moi l'hôte, je ne suis pas le dragon, je suis l'hôte du dragon. Il a possédé. Alors, le commerce stellaire est le sang de l'Empire, et les nobles sont le sang de leur maison. Je décrète une union du sang. Que tous les grands nobles aient une interface. Soient liés par l'interface afin qu'ils vivent avec leur vaisseau comme un seul. D'accord, donc les nobles sont fusionnés au vaisseau. Tu ne garderas qu'une seule copie de ton âme. Tu le garderas fixé en un seul endroit. Tu ne posséderais pas le corps non consentant, à moins que tu ne sois mon dragon. Whensoever. Wow. Et dès qu'un de mes mondes rejoindra une rébellion, je prendrai une pénitence de 1000 ans en leur mémoire. Et quand un de mes mondes déclenchera une rébellion, ma garde royale fera pleuvoir la dévastation jusqu'à ce que plus aucune vie ne demeure. 6670 NGSP NCSNI 0013. Unité en place. Tous les corps d'hôtes viables. C'est du comédien. Extermination de tous les corps viables programmés. Quiconque versera son sang gagnera une place dans le monde libre. Envoyé. Wow. On sort de Bayer Wales. Bon, et bien c'était The House of the Dying Sun. Les évaluations Steam disaient que ça pouvait être torché en 1 heure. Ça m'en a pris 2 parce que je suis mauvais. Très bien, Bratty Pool. Je monte vite fait. Les crédits. Et on va pouvoir se dire au revoir à tous et à la prochaine. Et vive l'empereur.